Aujourd'hui, nous allons parler d'EOLUI. Owen va le noter dans 5 catégories. Stop ! La vidéo s'arrête ici. J'ai remarqué, il y a pas mal d'entre vous qui ne sont même pas abonnés et vous me regardez. Qu'attendez-vous ? Abonnez-vous avec la cloche, vous êtes bienvenue dans la famille de Radalier Radalienne. Merci, la vidéo reprend. Déjà pour commencer, Owen va le noter dans la toxicité. Comme vous pouvez le voir, il ne fait que des shorts Brookhaven. Et ça se trouve, d'autres utilisateurs veulent qu'il va dans d'autres jeux. Sa mérité est 8,5 sur 10. Passons aux vidéos short. Comme vous pouvez le voir dans la rubrique vidéo, il en a fait que 2. Ça mérite un 9,5 sur 10. Le dynamisme. Oui, en effet, il est dynamique. Ça mérite un 10 sur 10. Le montage. Si vous êtes abonné à lui, eh bien vous savez déjà qu'il fait aucun montage, ou si vous ne connaissez pas sa chaîne, est en description. Enzo, je vais être indulge avec toi, je te donne 7 sur 10. Car je ne suis pas là pour être méchante inquiète et franchement félicitations, tu es digne de ta communauté, tu montres un bon exemple devant la communauté Roblox France. Continue ainsi. Le micro. Eh bien vous vous demandez si le son DE, son micro est dégueu. Moi de mon côté ça passe, ça mérite un 10 sur 10. Toxicité 0,5% toxique. Il est très peu toxique. Mais ce ne fait pas de lui un mauvais youtubeur, c'est pour qu'il s'améliore, sinon je le suis, il est vraiment bien. Concept 6, 5 dixièmes. Il a cette note, fait toujours le même concept, mais ce concept je l'apprécie, mais je pense qu'il doit aller dans d'autres jeux parfois. Divertissement. Je t'ai ouvé et qu'il donne le sourire à sa communauté, également à moi il fait rire, et sa communauté aime ça. Il aura 10 sur 10 et mérité. Justement, en parlant de communauté, on va en parler sur ce sujet. Eh bien pour commencer, la communauté d'Enzo sont âgés entre 7 et 16 ans. Donc je pense que certains d'entre vous se posent plein de questions. Comme s'il prend soin de sa communauté, si sa communauté sont fidèles, s'il profite de ses abonnés. Alors tout ça pour l'instant il n'y a aucune explication, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une enquête là-dessus et je confirmerai si les rumeurs sont fausses ou vraies. Alors j'ai compté la totale des points pour Enzo. Enzo, félicitations, t'as un 17,5. Mais je te conseille de t'améliorer. Si tu passes par ici, mets un pouce bleu et si la chaîne te plaît, tu t'abonneras si tu le désires et les nouvelles personnes sont aussi impactées. The internet. It's been pure torture. Thank you. I'll play with my heart.